Salut les amis, c'est Addict et David Grenier. On n'a pas pu filmer en direct. Ouais. Donc du coup, c'est on avait la carte qui était bloquée, on n'avait pas fait attention. Ouais. On savait pas d'où ça venait. On savait pas ce que c'était. Ouais. On est allé à Easy Cash pour nous savoir qu'on ça marchait. Parce que c'était eux qui... C'était la carte qui avait un bouton qui est bloqué. Que j'avais acheté. Donc on va vous faire quand même le compte rendu de ce qu'on a acheté aujourd'hui. Ouais. Et voilà, bon ben, on va vous montrer. Normalement, ça. Vous aurez quand même des images de la bourse parce que c'est le samedi, donc aujourd'hui. Et demain. Et ouais. Le dimanche. Donc voilà. Voilà, on a commencé tout de suite. Les cartes Pokémon, on a tout de suite vu ça. Ouais, on a vu ça, ouais, tout de suite. Et c'était 4€ le oui, carton. Mais la dame, elle disait, je lui demandais au début, elle me disait 1 centime la carte. Alors, il y a quelques-unes là, qui sont à remontrer, oui. Les meilleures, quoi. Après, on n'a pas tout vu encore. Après, elle me dit 4€ le paquet. Bon, j'ai accepté. Je vous montre quelques petites cartes que j'ai vu qu'elles étaient quand même bien. On les a sélectionnées, celles-là, ouais. Voilà, c'est des cartes, il y en a des vieilles, mais par contre elles sont un peu abîmées certaines, mais bon. Elles commencent à être moins communes, quoi. Elles commencent à être rares à trouver. Hein. Voilà, bon. Il y avait une full art aussi, mais je la retrouve pas. Voilà. Voilà, après, pas mal de cartes. Voilà. Après, j'ai acheté un petit paquet comme ça. Je l'ai acheté 3,50€. C'était 20 centimes la carte, sauf celle-là, 50 centimes. M'a pas fait de prix, mais bon. Il y avait des vieilles cartes. Voilà, Corbos. Il y a Tagnon holographique d'origine 95, 96, 98. Ouais. Bon, elle a plein de petits coups, mais bon, c'est toujours bien d'avoir. On pourrait trouver maintenant celle-là. Bon. Après, on avait Colossinge Obscur. Il y avait marqué dessus, c'est dommage. C'était écrit. Là. Il y a marqué quelque chose. Ouais. Mais bon, c'est quand même bien de l'avoir. Voilà, c'est bon état. Bon. Excellent. Après, on a Marchand de Pokémon. Celle-là, il y avait l'étoile. Et je l'ai pas, donc j'ai pris. Elle est vraiment en super bon état, celle-là, par contre. Mm. Après, on a Fossile Racine. Créateur de légende. Machine Technique Ancienne. Glace. Voilà. Après, on a Échard de Cristal. Ex-Gardien de Cristal. Après, on a Recherche d'énergie, Ex-Gardien de Cristal. Après, Racaillou, Créateur de Légende. Galekid, Ex-Fantôme Holon. Nidorino, j'ai pris parce que c'était de 2002, celle-là. J'en ai pas beaucoup. Et Faramp, Île des Dragons. Celle-là, elle est belle. Ouais, bon état, ça. Numéro 1 sur 101. La toute première du set. Après, on a eu des bandes dessinées, non? Non, attends, on n'a pas fini les cartes Pokémon. Ah, les cartes Pokémon, il y en a encore. Après, il y en avait une que. Il y avait tout un petit vrac là, elle faisait 10 centimes pièce, et que celle-là qui était bien. Alors, j'ai prise. Ouais. Après là, c'était des paquets de 50 cartes. Elle disait 5€, la dame. Il y avait des ex, il y avait des, ex y avait en premier. Des communes. Ouais. Donc moi j'ai eu les 1, 2, 3, 4, 5, 6. 11 paquets, elle m'a fait 40€ au lieu de 55. Mais il y a des ex. Bon, celle-là elle est anglaise, mais bon, c'est pas grave. Elle est belle quand même. Elle est belle quand même. Voilà, il y avait des holographiques. Turbo. Full art. Après, c'est des communes, hein, mais les autres qu'il y a dedans. Mais... Ne serait-ce que pour la première carte, c'était bien de les avoir. Oui, bien sûr. Après, on a eu les bandes dessinées, après. Ouais, 1€ pièce. 1€ la bande sur dessinée. Sur différents stands, on a eu.
Ouais, plusieurs stands. Astérix, la rentrée gauloise. Le fil qui chante. Lucky Luke. Yakari et le coyote. Boule et Le bille, jeu de jeu de billes. billes. On a déjà, mais Scène de ménage. Le le numéro 3 et 1 et le le 1. 3. Celui-là, c'est le 3. Et celui-là, c'est le 1. Voilà, 1 et 3. Ouais. Après, il y a des... Il y a deux jeux 3DS. Alors, je les ai eu 5 euros pièce. Putain, celui-là, je l'avais pas. Je suis content. Ça fait longtemps que j'ai pas trouvé un Yu-Gi-Oh! Que j'ai pas dans la collection. Hein, putain. Ils étaient 5 euros pièce. Voilà. Je pensais qu'elle allait me dire 15 euros. Ouais. T'as essayé de marchander quand même, hein? Ouais, Tu voulais les avoir à je voulais 4 dire euros. 8 euros les deux, mais elle n'a pas Ouais, voulu. elle a pas voulu. Ouais, c'était histoire de. Après, j'ai eu All Stars, le catch. Un tout neuf Tout neuf blister. sous blister. Le logo PSP. C'est d'origine. 1 euro. Il est un peu abîmé, mais bon. 1 euro. Bon, ça fait toujours plaisir. Après, on a un jeu de Wii. Deux jeux de Wii, pardon. Qui veut Mais gagner c'est des marqué millions? dessus, tu vois. 1 euro, ouais. Ouais. Ceux-là, ils étaient très propres. Le disque, il était. Il y avait juste quelques traces de doigts, mais il n'y avait aucune rayure. Ouais. Pareil pour l'autre aussi. Summer Athletic. Voilà, c'est tous les sports. 1 euro. Alors après, on avait. J'ai eu un jeu. Ça, c'était à la fin. On avait refait un deuxième tour. Et juste à la fin du dernier rang, juste avant de partir, PlayStation 2. on a eu un jeu PlayStation 2, Kingdom Hearts. Ouais, Voilà. 7 euros celui-là. Je l'ai pris. Il était vraiment nickel. Il est en bon état, ouais, c'est vrai. Le CD, il n'avait rien. Nickel. Là, après, on a eu un lot. Ouais, on a eu Il faisait 1 euro pièce. On en a eu 10. 10 pour 8 euros. Voilà. Bon, il y a deux qui que, ils sont bien, j'aime bien moi. Age of Empires, celui-là, j'ai tous les Age of Empires sur toutes les plateformes déjà, mais bon. Non, Il me c'est bien. servira en secours celui-là. Il est complet, tout ça. Voilà. On avait Final Fantasy X. Bon, la boîte elle est un peu. Voilà. Non, mais... Pour 1 euro. Bon. Après, on a True Crime. New York City. Totally Spies. Ouais. Athens 2004. Pro Evolution Soccer. MotoGP 3. ESPN, NHL Hockey, Tony Hawk's Pro Skater 3 et Toka Race Driver 2. Alors ils étaient tous avec soit quelques rayures, soit nickel, avec un peu des fois le boîtier abîmé, mais bon. Mais avec, ils ont tous leur notice. J'ai eu 8 euros les 10, c'est bien. Alors Voilà, après, on a on a encore les Toy eu. Story. Plein de figurines Toy Story. Alors, je sais pas ce qu'il y a aux bourses aux jouets, mais franchement, il y en a beaucoup des Toy Story, hein, que j'avais même pas dans la collection. Là, on a eu celui-là. Celui-là, on l'avait eu en lot avec celui-là. Oui. On avait eu 3 euros les deux. C'était avec les des cartes Pokémon aussi, je sais plus. Bon, celui-là, La tiens, t'as botte, bien. on l'a donnée. Ouais, nous l'a donné, ça. Parce qu'il manque Mais il y a quelque Woody. chose avec Ouais, ça. là, il y Ça a quelque chose à l'intérieur. doit. Ouais, là ça se bouge de là. Ouais. Après, on a deux voitures, une affection. Après, une voiture. Pareil, elle est à tes frictions. Ça, Non, j'ai je l'ai eu. commandé. Ah oui, mais ça, c'était tout une Oui, j'ai affriction, vu ça. déjà ça. C'était 2 et 1. Oui. Pas cher, quoi.
La grosse voiture. La grosse voiture. Avec, avec bus d'éclair et... clips dessus. C'était 10 euros. 10 euros avec... avec la petite manette. C'est avec la télécommande, ouais, la manette. Ouais, la télécommande. Ouais. On a eu des Skylanders pour finir. Skylanders, voilà. On les a eu 1 euro pièce. 1 euro pièce. Elle nous a fait un prix 1 euro de moins. C'était avec d'autres choses, je crois. Non, je crois que les, les figurines. Il y avait les figurines avec. Toy Story, c'était avec ça. Oui. Elle nous avait fait un prix. Au lieu de 8 euros, ça faisait 7. Voilà, c'est ça. Voilà, voilà notre compte rendu se finit. Et nous vous disons une prochaine fois. Mettez un pouce pour mon pull de tonnerre. De... Abonnez-vous aussi, hein. Abonnez-vous. Merci. Laissez des bons commentaires. Et à la prochaine. À la prochaine.